La confiance. Avoir confiance en soi, c'est très important. Avoir des relations de confiance et nouer de la confiance, montrer tes faiblesses et avouer aussi des choses que tu ne sais pas faire, ce que tu ne sais pas encore faire et mettre tout sur la table directement. Eh bien, c'est ça, tisser de la confiance. Et finalement, la confiance, avoir confiance envers quelqu'un et sentir que l'autre personne ait confiance en toi, et finalement tout avouer et tout mettre sur la table dès le début, ça va te permettre de nouer des relations sur le long terme et aussi avoir une meilleure relation de ton networking. En effet, si tu es cohérent avec toi-même, si tu as confiance envers les autres et que les autres sentent que tu as confiance envers eux, ils auront automatiquement, plus facilement, confiance envers toi également. Donc, développer de la confiance, simplement montrer qui tu es, être toi-même, rester toi-même, ne pas essayer ou ne pas tendre d'être quelqu'un qui n'est pas finalement toi, simplement pour faire plaisir aux autres, non, simplement être toi-même, mettre des filtres grâce à cela et donc éliminer les personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, c'est le but que tu devrais toujours avoir. Finalement, ça devrait faire partie de ton manifeste. Lier des relations de confiance et vraiment être toi-même. Et encore mieux, ce que tu pourrais faire, c'est d'amplifier tes points forts, d'amplifier ce que tu fais déjà très bien. Ainsi, tu vas développer ta singularité. Et tu vas vraiment être charismatique. Tu vas avoir ton propre ADN et ça joue davantage pour la relation de confiance avec les autres.